Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être là encore devant vous pour un nouveau numéro où nous parlons encore de la République démocratique du Congo. Bien sûr que vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'intermittences, c'est-à-dire que je ne suis plus fréquemment sur le réseau comme vous l'attendiez et j'ai beaucoup de messages, des appels, en tout cas ça montre bien que je vous manque et vous aussi mes chers téléspectateurs, mes chers followers sur YouTube, je vous manque et je suis là. Seulement que il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'entreprendre ces derniers temps. Nous étions un peu perturbés par d'autres préoccupations plus importantes pour tout simplement votre chaîne. Il y a des softwares que nous essayons un peu de voir comment est-ce que nous allons commencer à aller directement live chaque jour à partir de 11h. Parce que l'étape dans laquelle nous sommes entrés en République démocratique du Congo, c'est une étape très cruciale sur les élections. Ça montre que nous devons être là et vous avez besoin de nos analyses, vous avez besoin de nous. Personnellement, comme je me suis engagé pour parler de la République démocratique du Congo, je ne parlerai pas pour personne, mais je continuerai à vous donner mes impressions, à vous donner mon raisonnement, à apporter ma pierre sur la reconstruction de notre pays. Ça sera dans le sens d'analyser et puis de voir si ce que nous proposent les candidats à la présidence de la République nous disent et leurs mensonges, surtout exposer leurs mensonges et vous remettre en place en disant qui est député, qui ne l'est pas, qui peut prendre l'avenir de notre pays. Pourquoi est-ce que nous devons aller voter? Et toutes ces questions-là, nous allons les développer tout autour de ce courant du mois de novembre, surtout parce que nous nous préparons. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de matériel à acheter, il y a des softwares à calibrer, tout ça. Et tout ça, je vous demande de me soutenir. Et je voudrais ici remercier pour quelqu'un qui m'a envoyé un GoPro, une caméra vraiment professionnel, un GoPro, et il pensait que je mettais à partir de Kinshasa. Malheureusement, nous émettons ici à Johannesburg. Il a voulu à ce que je puisse taire son nom, mais il m'a quand même dit que non, moi, en tout cas, ça va te servir. J'en ai besoin aussi pour les émissions que nous allons faire à l'extérieur et tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour la personne. Et si vous voulez supporter notre chaîne aussi, vous êtes le bienvenu. Qui d'un micro, qui d'une caméra. Aussi, si vous voulez bien, vous pouvez envoyer aussi de l'argent parce que nous en avons besoin. Pour que ce travail avance, il nous faut de fonds. Je n'ai pas l'habitude de parler de ça, mais je suis obligé parce que vous êtes mes abonnés, vous êtes ceux qui voudraient à ce que ce travail puisse aller de l'avant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des bases du développement que Félix devrait poser pour qu'il ne puisse pas être surpris à la fin de son mandat. Quelles sont ces bases du développement? Vous vous souvenez bien, et vous êtes bien, vous avez compris que ici à Contact Pro Live, nous faisons des analyses, après nous donnons des solutions. Nous allons donc aller un peu sur les bases du développement que Félix Tshisekedi n'a pas fait ou bien qu'il a entrepris en dernière minute vers son dernier mandat. Est-ce que cela va lui donner votre confiance à lui confier le deuxième mandat? C'est un quid, c'est une question. Est-ce que les gens qui viennent-ils avec des programmes qui vont balayer d'un coup d'œil, d'un coup de main, tout le programme ou tout ce que Félix a fait pendant son mandat? C'est cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, l'instant, nous allons suivre d'abord les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet, les bases solides d'un développement durable. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Présidentielle 2023, la société civile dévoile son candidat unique. Béni des coups de balle entendus, un mort signalé en pleine ville. Et puis à Kinshasa, un hacker condamné à 5 ans de servitude pénale. On va sur actualité.cd.
accès à l'information pivot du protection des consommateurs. Vous le lirez dans actualité.cd. Fouilou à Bandundu, les déplacés de Kouamout annoncent une marche suite aux mauvaises conditions de vie. RDC attribue des contrats pétroliers et gaziers à des sociétés qualifiées de controversées, suscitant des inquiétudes chez les activistes. Rassurer Congo profond, du rififi aux affaires étrangères, le CG suspendu du ministère accuse le ministre Lutundula d'harcèlement et de tribalisme. Kinshasa met gestion à l'hôtel de ville. Impayé depuis 3 mois, les agents prévoient une manifestation ce 10 octobre. BCC, la population invitée à s'abstenir des actions de nature à salir le franc congolais. On va sur 7 sur 7, présidentielle en RDC, la candidature de Moïse Katumbi déposée. Et puis 40 000 recrues bientôt intégrées dans le rang du FARDC, dit Félix Tshisekedi. Et puis élection, Fayou nous demande aux Congolais de sortir massivement dans le rue en cas d'un nouveau hold-up électoral. On va terminer avec Radio Okapi, Beni, une vingtaine de leaders communautaires formés sur la lutte contre la désinformation. Développement de 145 territoires, 5 écoles construites et équipées en 9 mois à l'Équateur. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà donc, mesdames, demoiselles et messieurs, l'actualité, comme vous l'avez suivi, est prédominée par les dépôts de candidatures à la présidentielle et tout ça. Et ce qui m'inquiète encore une fois de plus, mais nous avions quand même eu une certaine assurance que non, il paraîtrait, moi je mets ça au conditionnel, que les kits commencent déjà à arriver, et c'est-à-dire que c'est par là que ça va rassurer que les élections auront bel et bien lieu. Alors, on va commencer où ? On va commencer sur le base du développement que Félix devrait poser pour s'assurer que non, le développement va suivre et quelqu'un d'autre viendra. Parce que nous sommes sûrs que quelqu'un ne peut pas venir nous dire qu'il va faire tout en 5 ans. C'est impossible dans un grand pays. Quelqu'un ne peut pas venir dire que non, on a consacré la bino Allemagne d'Afrique awa et que ça l'a impossible. Ça le coûta. Le pays est trop grand, les problèmes sont multiples. Le grand problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est cela le basique que moi je me dis, qui ne sont pas pris en compte. Le basique, c'est quoi en République démocratique du Congo? C'est la sécurité. Basique, on a la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est la réconciliation nationale. Cohésion nationale est abattue. Et moi, je pense que c'est là le grand problème que nous pensons, nous négligeons. Ton négligeant, Kababilo, qu'on a mis balé, makasi. Sécurité, intégrité nationale, donc intégrité de notre espace national. Nous ne savons pas contrôler notre pays. Notre pays a comme base, a comme problème le fonctionnement de l'État. Il faut faire fonctionner l'État normalement. C'est ça le grand problème. Et il ne faut pas le faire fonctionner au Katanga et puis laisser le Kivu. Il ne faut pas le faire fonctionner à Kinshasa et laisser l'arrière-pays. C'est ça le grand problème. Nous allons faire fonctionner l'État comment? Parce que ce sont là les grands problèmes que nous avons. Le fonctionnement de l'État, l'État ne fonctionne pas. Vous aviez entendu parler que non, il n'y a pas d'autorité de l'État. Nous n'avons pas un gouvernement responsable. L'avenir de notre pays est dans les mains des autres. Et nous négligeons le basique. Le basique, c'est quoi? Le basique, c'est cet État-là. Comment est-ce que nous pouvons remettre l'État congolais sur le rail du développement? Mais il faudrait d'abord que nous la maîtrisions. Il faudrait d'abord que nous puissions maîtriser l'État congolais. C'est ça là, le grand problème. Maintenant, voyons un peu comment est-ce que Félix arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve le même problème qui n'ont jamais trouvé de solution. Il n'y a pas de cohésion nationale. L'insécurité est gangrénante. L'État n'existe pas. L'armée, il trouve la corruption au top. Il trouve beaucoup de problèmes. Et il est désemparé. Il se pose la question, Tokobandela Wapi.
C'est comme ça qu'ils se sont jetés à l'eau en se disant, commençons par le projet des 100 jours pour essayer un peu d'alléger les problèmes qui sont le plus cruciaux. Or, c'est par là qu'a été le grand problème. Donc, problème à Félix, tant qu'on a commis na Bokonzi, na Kamere, na Ye, na Batunaye, ils se sont dit, nous nous attaquons d'abord à ce que nous voyons pour remédier un peu à la situation. Or, c'était une grosse erreur, d'après moi. Moi, je pense que c'était une grosse erreur. Et que Batou, Moussousou, Soki Moutou, Moussousou, Akoya, a commettre des sous-problèmes, Wanate. Il faut que nous puissions attaquer le problème à l'origine. Bandeko, ce qui te longoli misisate, il y a problème na Katia Mabele, Nzete et Kozala Bienté. Donc il faut que nous puissions commencer par le fondement. Et le fondement, c'est le rétablissement de l'État. Il faut que l'État commence et recommence à fonctionner normalement. Et donc là, Félix arrive, il trouve beaucoup de problèmes, il ne sait pas là où commencer et il se jette à l'eau en disant bon, commençons par les histoires des 100 jours. Nous allons faire quoi? Nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Ils ont oublié le problème principal dont nous faisons face depuis 1960. Le problème de l'État, le problème d'ancrage de notre République démocratique du Congo. Il a pensé peut-être que non. Et ils ont armé. Oh, armé, oh, Zala Kimala Mouté. Il a même commencé à critiquer ce que Kabila avait fait. Que non, Kabila Nde Moutouabome, Kimboka, tout ça. Moutoumoussousou, oh, aïe, bi problème à Congo, te soka landi aïe après Tshisekedi, akoloba Tshisekedi, nem toaboma kimboka. C'est pour vous dire que nous ne nous attaquons pas au problème le plus important de notre pays. Le problème de développement, Félix abundi na babiloko ebele, abundi na majorité na parlement, abundi na corruption, abundi na biloko ebele ebele. Si finalement nous avions commencé à conseiller Félix dès le départ en disant les choses que tu dois faire, ça doit être les choses qui doivent toucher le plus grand nombre ou bien tous les Congolais possibles. Et c'est par là que nous nous sommes dit, il faut maîtriser d'abord le peuple congolais, le peuple congolais, Zalakawapi, Azasalakanini et tout ça. Félix ne s'est pas attalé à cette histoire-là. Félix a vu qu'il a... Non, il y a Okipa qui était. Ils ont pensé qu'avec Kamere, ils ont pensé que non. En faisant des projets de développement, ça pouvait remettre le pays sur le rail du développement. On ne peut pas développer un pays qu'on ne connaît pas. On ne peut pas jamais développer un pays qu'on ne connaît pas. On ne peut pas développer un peuple qu'on ne connaît pas sa culture. Tozo yebate batuo bayo kanakate ponanini. Nous devions aller à la racine depuis 2019. Kokuye bisaba congolais to solo la, to vanda to solo la. Mboka o eza mboka nanga moko te Félix, eza nga moko te mtu na koya kosala biloko nyonso tout. Non. Il a fallu que Félix invite tous les Congolais à un dialogue dès le départ en se disant voici ma kambo abitumba oyo toko silisa yango ndenge ninga naza mokonzi même ngai na qui cité. Je ne viens pas avec une remède pour terminer la guerre. Terminer la guerre, ça doit être l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas dans les paroles. Il fallait que to vanda to zwa kaba solution biso nyoso. Pour terminer la corruption, il faut s'atteler ndenge nini kosila. Il ne faut pas dire que non, justice angoka kande mute kozala. Il faut plutôt renforcer cette justice. Justice ezo sala mala mute pona nini. C'est parce que justement l'État congolais, au moins, le problème place ces alliés. L'État congolais ne travaille pas dans l'État basse la Kalisusute. Bamisala isa clarifié te outi wapi bilo kwa ne outi na identification à congolais, identification à problème à congolais. Mokonzi fallait avanda atayeba problème à congolais zanini. C'est pour cela que moi je suis en train de vous dire que Bandeko, vous allez envoyer les députés au Parlement qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ba parlementaire na biso bakenda kosala nini? Biloko wana nyonso eza bouluyeke, bouluyeke, bouluyeke. Est-ce que tu respectes ta constitution? Est-ce que commune yebaka musala na yango? Mais tozo kende kaka na bouluyeke, bouluyeke ndenge wana. C'est comme ça que nous nous sommes dit OK, allons-y tout simplement. Mais rappelez-vous que nous ici à Contact Pro Life Tobanda qui déjà koloba. Les projets qui doivent être entrepris doivent être des projets
qui va toucher tous les moutounions au Azali congolais. C'est-à-dire, occupons-nous à l'homme congolais d'abord, toye baye zanani. Et puis, l'État yé baye. C'est par là qu'il fallait commencer, mais on ne l'a pas fait. Alors, t'os évoluer, Félix a commis kaka na ma kamboba projet, qu'est-ce qu'il faut faire, tokei ndengenini. Félix a ken ndengenini, akei na babiloko yaba gratuité. Bandeko, ça c'est quelque chose qui a encore enfoncé notre République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que dès le départ, je crois qu'on n'avait pas su exactement quel était le grand problème de notre République démocratique du Congo. Est-ce que Orokendeko tinda bana kak bana nyoso na classe bafuta kate? Mais le fonctionnement même de ces écoles là est comment? On se rend compte qu'il fallait d'abord penser au fonctionnement des écoles. Oh, on a augmenté tout ça. Tokomi ko panza mbongo 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 oh, budget mati biloko boy. Biloko nyo se komi na kakofoni. Soyons réalistes, mes chers amis. To bundate pona paske enazolo belao Félix asala kibwe. Te! Vous allez, suivez-moi jusqu'à la fin. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons savoir à propos de Félix. Félix n'est pas mauvais. Moi, je ne suis pas contre Félix, mais l'état de notre pays est en train d'aller décroissant. Félix a trouvé beaucoup de problèmes, mais il n'a pas su le réel problème par où commencer, qui devrait aller résoudre automatiquement d'autres problèmes. Imaginez-vous, Likambo a 145 territoires. Nous les parlions depuis longtemps. Tobanda Kolobela Likambo depuis longtemps. Nous n'avions pas dit qu'il fallait construire un puits. Il fallait s'occuper des gens, les peuples congolais dans leur milieu d'origine. Toye ba ko organiser batou pour na ba sala musala pour ba récupérer pouvoir na bango na niveau ya territoire, na niveau ya province, na niveau ya gouvernement central. Il faudrait partager les responsabilités et mettre comment est-ce que toko banda ko fonctionner. Et c'est là où je suis en train de dire que eloko oyo émission na biso oyo il faut bolanda kango balebele pour que boye bako solo solango likambo to zolo baka awa rétrocession à pouvoir au niveau de la base. Ce n'est pas que non to bandiko pesa ka banani ba autorité ba territoire ba mbongo. Non, nous devons étudier une façon ya ko rétablir autorité à l'état de façon que tous les Congolais soient soumis à cette loi là. La loi donc recréée, nous sommes dit ceci, dans le projet à 145 territoires. Nous avions dit qu'il fallait renvoyer d'abord tous les Congolais dans leur milieu d'origine pour qu'ils puissent aller avoir des consensus. Bayokana, nandenge akosale la mboka, yako réexaminer mboka awa to vivaka ndenge nini, awa to zana nkita nini, awa to pesaka nini, to refaire fonctionner l'État. Na tous les niveaux, donc to bandi na ba territoire, to ke na ba province, to ke na ba nanana. Et là, nous aurions fait un travail de renouvellement même ya classe politique. Parce que schéma obiso to pesaka awa na ba projet à 145 territoires na ndenge to lobaki, ça devrait aboutir à une nouvelle constitution, à un renouvellement de la classe politique, à un consensus national, na cohésion nationale ba tuba yebana. Nani yango azosala nini? Institution nini musala na ngwe za kanini? Comment est-ce que nous pouvons respecter les institutions? Comment Congolais akoki kozala soumis na loi moko atazana Bukavu ou bien zana Matadi ou bien zana Mbanda ko bien zana enza la loi moko batu nyoso tu bayebi? C'est comme ça que ça se fait en République démocratique du Congo. Mais nous étions partis dans les futilités. Donc nous nous sommes engagés avec Félix dans les futilités. Donc projet à Il y a nani oh gratuité enseignement to zongi si bana ebele na classe sans que to tenir compte ya ba qualité sans on s'est fié sur ce qu'on voit. Nous pensions que le problème to ko résoudre le problème en Congo na kotia ba avion na ko kitisa ba biloko ya talo. On ne s'était pas focalisé sur la fondation ezanini.
La fondation, c'est l'ordre établi. Il faut te remettre ordre. Regardez ce qu'il a parlé de notre armée. Il s'est toujours plaint que nos armées n'abissent pas infiltrées, mais il ne sait jamais atteler sur la réforme de l'armée pour nakoyeba armée otokosala ngonene pour que ça soit une armée républicaine. Mais il est retombé dans la formation des brigades, batumoko, oh, brigades présidentielles, tout ça. Ça n'a pas concerné la police, ça n'a pas concerné l'armée. Donc, voilà le fondement sur lequel nous devrions nous poser. Il fallait commencer à savoir, batou, oh, bah, okota, bah, kozala, bah, policier, comment les réformer, comment tous zongi samaskani sinabango, ezala mboka ya sika ya bien. C'est là, moi, je pense que Félix a failli. Alors, quels sont les fondements de base d'une république qui peut aller de l'avant sur les rails du développement? Nayebike, même si demain, tu as commis un président Moussousou et qu'il ne tienne pas compte de ce que je vais vous dire maintenant, et qu'on a la moi passé, qu'on a la ka boulou yeke yeke. Et puis vous-même, vous allez distinguer bolandeloko parce que eko servir bino na ko tirer attention na candidat nini discours nini batu o ba koyeb c'est la bison na campagne. Est-ce que ba discours wana nde eko sala conforme à ce que congolais a reprendre pouvoir na na niveau nyoso? Est-ce que ba discours na bangwana eko sala que non l'état na biso ezonga l'état malamu? Nous pouvons venir avec l'état de droit, en proclamant l'état de droit. Nous pouvons venir ici en disant que non, la sécurité. Mais cette sécurité, pour la former, pour avoir cette sécurité, nous allons commencer par où? Bandeko, développement à chaque mboka et commence et bandaka nanu na rétablissement à l'état qui va gérer tout le monde et que l'état ne ko gérer biso nyoso. Il faut que l'état congolais dans son entièreté puisse récupérer son pouvoir, parce qu'aujourd'hui l'état n'a pas de pouvoir. Ce sont les personnes qui ont le pouvoir en République démocratique du Congo. Les personnes, c'est-à-dire quoi, comment na mutumo ko ayena ba carton ba soso ba carton ba loso azo pesa batu batunde baza ko linga bazwa pouvoir à l'état. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous devons rétablir l'état na ba loi na yango nyoso. Nous y arriverons comment dans cette cacophonie? C'est ainsi que nous sommes dit. Le meilleur chemin à faire, c'est d'avoir le consensus au niveau même des territoires. Et par là, nous devions refonder le peuple, l'État congolais. La refondation de l'État congolais devra passer par un consensus dans chaque territoire. Le consensus devrait être obtenu dans chaque territoire. Tom Sololana, nous. Je suivais Tommy Tambo, celui qui est de la DDR, SSC, Alobi Makambo, pour nous démobiliser Batou. Il a parlé quelque chose qui m'a beaucoup trop attiré, que j'ai apprécié, c'est que il a dit que non. Bakenda kinde ko solo la musala a DDR sa ezali kope ko vandi sa batu bat zwa ba solution. Voilà une piste. Nazako kumi sa ete awa parce que lui aussi il a beaucoup de insuffisances. Mais ce qu'il avait dit, j'ai apprécié parce que ça rencontrait justement l'aspiration, la solution dont je propose ici. Bandeko, toko kiko bongi sa Congo te sans que to vanda to solo la problème na biso ezali wapi? So ki ba pays mususu, permettez-moi de ne pas citer ce pays qui se sont développés en un temps record, c'est parce que le peuple, en tout cas 95%, 96% du peuple congolais et de ce peuple-là ont trouvé des solutions négociées entre eux en disant Attends, tu as été capable de mais moi, pas quoi, je suis en train de faire. Tu as géré un gondé. Quel sera le taco? Comment est-ce que notre État va fonctionner avec le peu de moyens qu'il a? Pas de mouke autosan, tu as géré un gondé. Allons-nous encore retomber dans les histoires de corruption, de projets? Mboka mobimbe, comment est-ce qu'il y a un projet? Moi, je ne sais pas si vraiment l'État, ça doit être un projet pour rétablir l'autorité de l'État. Ça ne doit pas être un projet. Et voilà donc tous là où Félix a failli et que Ezako causé trouble pour
Asenga deuxième mandat. Notre peuple, bien sûr, il est moins informé, na lobite que bino, mais vous, l'élite qui me suit ici, vous comprenez que nous avons un problème sérieux en République démocratique du Congo. Les députés ne savent pas fonctionner à Bangweza, la Kanini, tout ça. Je suivais l'autre fois Mutumsusu. Je vais taire son nom ici, Azako Lobangai, na lingina comme député, na lingina za la conseiller, na lingina za la boye. Et je lui pose la question, quel est le rôle d'un député? Na tout ni kaka rôle à député zanini, mutuangwa lobite, bino bande konangai, fobosungangai na leka. Tout le monde se rue dans cet désordre parce qu'il sait que dès qu'il va avoir une certaine passée de pouvoir, il sera chef et il a kobongi sa vie naye. Le patriotisme n'existe pas. Mais comment est-ce que nous pouvons faire naître ce patriotisme sans se parler, sans s'accorder? Bandeko, toi, comment on a Congo développé tes 5 que bisogno surtout ensemble, to vanda, to lobake na 2030, voilà là où nous devons partir. Et pour y arriver, comment est-ce que nous devons aménager nos montures ici? Toko jerembo konenin, toko jerembo na kobenga kaba investisseur ba ka ko investir na Congo. Nous devons construire le Congo. Les investisseurs ne viendront pas construire le Congo. Batu oyo na ba discours na bango baza koloba ke non. Dès qu'il est élu, comment on a mis ça, les combien belé. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de nous organiser. Parle-nous, comment est-ce que tu vas rétablir l'autorité de l'État? Ce n'est pas mis ça, les belé, tenez, moutokobongisambo, cannabiso. Nous devons nous organiser. Comment est-ce que nous allons reconstruire notre pays? Et c'est cela le discours que moi je voudrais à ce que binobo retenir na ba candidat au baza koloba ke bakoza ba président de la République. Tango boza ko tuna bango mituna bo tuna bango, est-ce que misala ndeza important na kati ya mboka na biso ou bien l'organisation? Parce que c'est l'organisation, sur base de cette organisation que misala ko za la créer. Mais si nous sommes en désordre, misala wana ko profiter na nani? L'été ko za la té. L'été qu'aux alatés, il faudrait absolument que nous, peuple congolais, nous puissions savoir exactement Moussala Ango et Koya na ordre nini. Moutouna Moutoua Koya ko soit parti na ya ko exploité na ya a pesimbongo, Moutouana ke ko banda ko pesabino ba miette. C'est comme ça qu'on dit que les politiciens vont vendre encore le pays. Si vous osez mettre quelqu'un qui est un businessman, Moutouaye, Aza, n'a besoin d'un ka yambongo. Tango azui mbongo au azako pesa bino ba miette et puis azako éparpillé en on est inguba, il n'organisera pas l'État. Bandeko, moi je pense que pour la République démocratique du Congo, il est grand temps que nous puissions nous mettre d'accord. Et nous mettre d'accord, c'est d'accepter que non, l'État ne fonctionne pas. L'État doit récupérer son autorité. Il y a qu'à gérer biso batu. C'est l'État qui doit nous gérer. Mais si l'État là ne nous identifie pas, si nous n'avons pas un État où nous pouvons identifier chaque Congolais avant d'akawa piasa la canine, moi je ne sais pas si nous connaissons le nombre des entreprises qui existent en République démocratique du Congo. Je ne sais pas. En tout cas, dans le modèle, on gagne à mon élan Congo, on a évité ce qui est Zalaka. Donc nous avions failli pendant ces 5 ans, il y a qu'à rétablir autorité à l'État. L'État où ils ont supposé qu'on gérait et le président de la République et les huissiers. Naba institution nyonso, c'est l'État, c'est ça l'État au fait. Est-ce que ma institution fonctionne à normalement? Qui est chargé de faire ça? C'est pour cela que Bandeko bo raté émission à l'obité. Il y a week-end plutôt, il y a direct à week-end. Nous en parlons en long et en large sur l'organisation. Comment est-ce que nous pouvons refonder cet État-là? Et cette émission-là peut servir à ces partis politiques qui n'ont pas des idéaux. Et oui, qu'on servir ma parti politique au bazar, même un projet à société, en se faisant une idée sur comment est-ce que nous pouvons rétablir l'autorité de l'État dans cet environnement d'ambroglio où on ne sait pas toza kosa la mbo kanabiso tote kayango ou bien tozo lingato tonga mbo kanabiso. Est-ce que c'est une nation congolaise qu'on veut construire ou bien nous voulons construire des hommes riches? Les riches seront dans le bazar kokotambola na ba poto poto boy. Moi, je pense qu'un bon riche, c'est celui qui sait que non, il vit dans un pays où sa richesse lui permet d'émerveiller. Mais ce qu'on a riche, mais on a riche dans le Congo, mais on a investi dans la Libanda, le Congo gagne quoi? Tokotika la kana pauvreté, wana.
Voilà, mes chers amis, donc pour ce vendredi 6 octobre, nous nous arrêtons un peu là. Mais demain, donc au courant du week-end, je vais vous informer si nous aurons l'émission demain à partir de 15h ou bien ça sera dimanche. Moi, je crois que ça sera peut-être dimanche parce que les choses que nous sommes en train de préparer pour vous nous demandent encore beaucoup de temps. Donc, portez-vous bien. Et avant de terminer, si vous me suivez là pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, ou bien Bolanda Kangaï, ou Soukola, aux abonnés, please abonne-toi. Boti kakaba commentaire na kati yaba vidéo oyo, na tanga kanyoso. Ces commentaires me servent d'avoir le feedback. Na yeba kenazo solo la nanan. Je vois que vous êtes beaucoup abonnés, batwe belé bas abonnés, surtout dans le mois passé. Ce qui te continue boe vraiment et kozala bien et que message na biso et kozala kokoma. Peut-être par nabatu o ba kozala na bokonzi na nanani a ko changer Congo. Parce que nous autres, nous pensons que c'est ça la pierre d'édifice que nous apportons pour la reconstruction de notre pays. Donc, abonnez-vous, partagez nos émissions et puis surtout, commentez ce que Lingi, tiens, moi, j'aime. Ce que Monique Nalobi m'a dit, tiens, boy, parce que ça me fera du bien lorsque je rencontre quelqu'un qui m'appelle surtout en me disant, Ideo Ezanine, tu n'as pas la canne à téléphone pendant longtemps. 2 heures, 3 heures du temps en discutant avec des politiciens. Il y a Congo. C'est pour cela, lorsque vous partagez, et que comme la paix bango, la plupart de ces gens-là qui m'appellent, c'est parce que vous aviez partagé ces émissions. Alors, merci beaucoup. Donc, on se revoit prochainement. Portez-vous bien. Au revoir.